Bon, ben, il n'y a pas de champignons, hein. Mais bientôt, ils vont venir. Alors, ils seront là, autour de cet arbre-là. Autour de cet arbre, autour de celui-là. Venez, venez, petit cèpe. La végétation a bien poussé, hein. Regarde, toutes ces petites... Ben, ça, c'est un châtaignier. C'est pas un châtaignier, ça? Si. Bon, il n'y en avait pas d'habitude ici, regarde. Là et là. Ça sent la terre mouillée. Ça sent. Et là aussi? Mais c'est pas un châtaignier, ça. Donc, j'ai pas perdu l'odorat. Allez, je marche. Ces herbes là, toutes blanches là, c'est bizarre ça. Ils sont fanés, je vais pas en prendre. Ils sont fanés. Celui-là peut-être, cette branche là. Voilà, ça va, parce que ça tient pas après dans un vase, ça tient pas ça. Regardez mauvais, regardez mauvais. Mais elle te fait la cuisine, hein, la revêche, quand même. Des fois aussi, souvent même. Il y a trois chênes de ce côté. Regarde, trois beaux chênes qui le regardent. Tu vois? Trois beaux chênes qui le regardent. Pchit, 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 pchit. Ça c'est pour les couleuvres. Pchit, pchit. Pchit, pchit. Là il y a des ronces. Alors est-ce qu'il te donne de l'énergie? Ah ben attends, je tiens le bouquet en même temps. Oui, il me donne de l'énergie. Si je suis derrière, tu me vois pas parce qu'il est gros. Il est plus gros que moi. Ça, on dirait une bête. On dirait une bête. Je sais pas. Je sais pas. Attends, je le regarde. Je sais pas. Comme un blaireau. Hier soir, j'ai vu des blaireaux à la télé. Comme un blaireau, un peu. Sauf que c'est doux. C'est doux. C'est marrant, hein. Comme quoi, les sculptures dans la forêt... C'est comme une sculpture en bois, en arbre, avec sa tête, son œil. C'est du seringa, ça. Ça sent fort normalement, mais là je ne vais pas pouvoir parce que... Pas du chèvrefeuille ? Ou du peut-être du chèvrefeuille, je ne sais pas. Et une dame qui m'a dit que c'était du chèvrefeuille. Eh bien alors, si c'est une dame te l'a dit, c'est que c'est vrai. Ah, si on avait Elisabeth, ou bien Marie Bolzec, on le saurait. Mais elles vont te le dire en voyant le film. Et voilà. Et voilà. Aïe, 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 ça me tire sur le gant. Je flotte. Moi, je me vois pas. Eh bien, si tu me vois dans l'eau, très bien. Il y a des moustiques. On dirait une dent. Je suis obligée de retraverser là. Fais attention, je mets les pieds, hein, parce que... Oh, il y a des... Je sais pas si tu as vu, il y a des toiles d'araignées avec des gouttelettes d'eau. Une toile d'araignée avec des gouttes d'eau.
là aussi. Regarde comment ça se forme, tu vois les fougères. Comme elles se forment là. Elles font comme ça d'abord. Comme ça, comme ça. Il y en a d'autres qui poussent là-bas, c'est les mêmes. Mais là, ça fait un bouquet, c'est joli, hein. Ça fait tout un ensemble. Il paraît avoir un museau long, celle-là. Tu vois, là, un museau long. Elle a des cornes et un museau long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un chemin de rando? Bonjour. Bonjour. On était à moins d'un mètre, hein. Attends, puis je souffle. Alors ça postille, ça postille, ça. Oui, mais tu l'avais pas mis avant ton masque. Avant de passer à côté d'eux, si. Si, si, parce que je les ai croisés, j'ai mis mon masque. Ouais. Alors, qu'on soude. Qu'on soude. C'est Andrea qui te l'avait dit. Eh oui. On avait fait un purin de qu'on soude. La consoude et ortie sont les trucs préférés pour faire le purin. Aïe, 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 j'ai ma brille là. Ça a piqué. Ouh. Ça pique. Je croyais que c'était ça le plantain. Non, c'est pas ça. Bah dis-moi où il est le plantain. Ça pique. Ça pique. Ah, comment il faut faire ça là? Il faut le prendre et le frotter dessus. Voilà. Dessus? Tu l'écrases dessus. Tu l'écrases dessus. Ah d'accord. Et ça fait passer la piqûre? Ouh, mais ça pique quand même, hein. Ça pique quand même. Là, exactement, c'est là. C'est lui qui a creusé partout, là? Oui. C'est vrai? Oui. Cet arbre, tu l'as pris déjà? Il est mort.